confirmé. OK. Et maintenant, nous sommes de chez Derkeb qui t'a proposé, on est chez toi aujourd'hui. D'accord. Bon, écoutez, je vous propose Papson. Papson. Yep. Marapapou. Ok. Donc, Marapapou. C'est un gars très intéressant. Il allez causer avec lui. Oui. Il est très, très, très intéressant. Il va vous raconter de bonnes choses. Inch'Allah, je l'espère bien. Avant que nous couvrons une arabe de la quoi. Donc, Ouais. Non, vas-y, allez, vas-y. allez voir Papson. Inch'Allah. Donc, quand tu me suis à Marapapou. voilà. Oh, quel est le nom? Quel est le nom? Ok. Mais de tout, ni fait une erreur. Erreur boulot. Un flèque à qu'on appelle Jeunesse Move Live. C'est-à-dire, l'émission, c'est une émission typiquement jeune, c'est pour les jeunes. Mais on a décidé, parce que Rubriki Dobamolo, Rubriki Mtoro et musique. Donc, on a essayé qu'on l'ait étendu, juste pour passer chaque vendredi soir chez les artistes. On a tout fait, on va causer en même temps la directive avec l'interview qui est directive. Ouais, le boulot. Écoute, c'est louable. C'est vraiment louable, surtout que je suis sûr qu'en cette période, vous ne gagnez absolument rien là-dedans. Vraiment. C'est vraiment juste, je pense, hein, je ne suis Ouais. pas dans vos trucs, mais je pense que c'est ça. De toute façon, dans cette période-là, c'est pas facile. Donc, si vous arrivez à vous déplacer, à faire les choses, de toute façon, je connais votre équipe, je connais votre dynamique, mais c'est bien. Alagato, Mourad, c'est ça le Amina, problème ici. Amina. C'est ça le vrai. Casse-couille, excuse-moi, Oui. mais Alarato, tu vois, c'est ça le truc. Oui. Parce que j'espère que les gens vont pas oublier qu'en période de couvre-feu, quand ils étaient bloqués chez eux, si vous preniez vos caméras, que vous alliez faire le tour pour les divertir, pour les keep in touch et tout ça, j'espère qu'ils vont pas l'oublier. Et que le jour que vous allez avoir besoin d'un retour de leur part, qui feront ce pas-là vers vous. Parce que ça, c'est un cancer dans notre société aujourd'hui. Je ne sais pas, les fans et les spectateurs en général maintenant pensent que tout ça leur est dû. Et donc, en général, pas tout le monde, mais en général, les gens n'ont pas ce retour-là. Les fans ont de moins en moins de retour. Les gens se tuent maintenant pour leurs fans, leurs followers et tout ça. Mais ils n'ont pas de retour. Voilà pourquoi beaucoup de gens, surtout dans le rap, dans le show business, sont amenés à faire des choses qu'ils ne veulent pas forcément faire. Parce qu'ils veulent plaire aux gens. Parce que ton travail seul même a tendance à ne plus suffire. Et bah, fais-moi. Donc, Eo, Neo, Alagato, quoi. Donc là, Dora, ni ante sengo, ni fanu ya don tiere la, ni mogo nunu megu siguke. Ali kumamna war kuntega soro, umabara dabla. Ali kumamna angwa akli tula, uman lashe kwa. Donc j'espère que ce soit en termes de sponsors, que ce soit en termes de spectateurs, téléspectateurs, que ce soit en termes de fans, j'espère que les gens vont pas oublier ça et que le jour où on aura besoin d'eux, qui seront eux à leur tour disponibles pour nous, tout comme on a été disponible pour eux. Parce que on a beau dire, tu vois, t'as beau être un bon journaliste, t'as beau avoir une super bonne équipe, à un moment donné, quand il n'y a pas retour sur investissement, il va être découragé, il va courir, tu vois. Surtout quand tu vois des gens, ils n'auront pas de baramunke, moko mununte ka lo bege. Douwerola, l'oubra fin soro ka temiga, l'oubra excellé ka temiga, alors qu'en vrai ils sont pas mieux que toi, ou te ka barake nié, mais juste toi, ta société ne te rend pas le truc. Bon, c'est un peu fatigant des fois, ça, excuse-moi du terme, mais ça fait chier quoi, tu vois. Quand tu te tues au travail, que le peuple ne te le rend pas, ça fait un peu chier. Donc je vous souhaite de ne pas vivre ça. Et je me le souhaite aussi. Moi encore, ça va, je ne me plains pas. J'ai des fans qui achètent mon album, tu vois. Donc c'est la farara, c'est bien, mais voilà quoi. Il est temps que. Non, mais il est temps que faut qu'on nous rende l'appareil, quoi. Tu vois. Parce que même quand les gars vont faire des concerts, beaucoup, mais t'as stade là où t'es doux, ou tout,
3h sera Darabla. Emmanuel a couru une fonta. Ça tue. Oui. Ça tue les gens. C'est que tu n'as pas fait tout ce travail-là pour ça. Donc, un artiste, quand il est comme ça, ARF a studio la billet, ta clip ou qui est, il m'a studio, ça sera ma clip ou ça sera ma faux et ça sera. Mais il barre à son là, mais tu as tous ses sons, Fibarda par cœur. Les fois où il a besoin de toi pour aller lui donner 1000 francs ou 2000 francs pour regarder un concert gratuit, il était, il est à Dama pour qu'il fasse une prestation pour toi. Là encore, tu n'es pas là. Tu vois, là, toi, tu n'es pas là. Ou quand tu es là, c'est pour négocier un policier, c'est pour fin. Après, nous, au artiste, Kélin Tara, fin, ouais, ok, mini artiste, arrêtez, tacos, c'est bien. Ou claque ou critique sur Internet encore. Alors que, bon, Barakou est honoré. Tu vois, c'est là où on est arrêté, quand j'ai dit, mon chaman, artiste, chaman, mega fin, chaman, n'arrêtez son monument, mais t'es du goût là, quoi, c'est vrai. Parce que si on était dans un pays où il y a Baratonok, mais dis-moi directement, à côté, c'est Nuroma, quoi. Donc, quand tu voyages beaucoup, tu vois les autres artistes dans les autres pays. Je te jure que nous, on travaille plus qu'ici. C'est-à-dire qu'il y a même un monde qui est au taclanché. Donc, le monde sera en taclanché. Ça, ça tue, mon gars. Ça, ça tue. Ça, ça te fait chier. Tu vois pas? Il y a moi à terre, quoi. Mais il va faire mal. Ça fait mal. Et c'est pas que dans le domaine artistique, c'est dans tous les domaines. Demande à ceux qui ont envie d'être footballeurs. Nous, la réalité fait, mais tu as envie de pleurer. Tu vois, demande à ceux qui sont dans des organisations, qui font des stages. Ils sont dans le domaine. Quand tu vois stage Kéron, Club Bella, mais tu n'es pas stagiaire, tu es domestique. Tu es domestique. Il n'en a pas de là. Tu es la dame et ferme ta gueule. C'est ce qu'on te demande. C'est pas intéressant. Tu vois. Donc, il y en a pas, car c'est gouvernement, tout ça, ça. Nous-mêmes, notre mentalité, notre manière de voir certaines choses, il faut vraiment qu'on évolue, quoi. On est en 2020, il est temps d'évoluer, quoi. Tu vois. Dans Forako, moi, je suis un Malien né, grandi ici. Mais on a fait un béquin, on a fait un bé maliré. Mais moi, je vends plus d'albums à l'extérieur que dans mon propre pays ici. Ah, Joe, c'est pas possible. Ouais. Tu vois, c'est comment tu veux comprendre ça? Ça fait mal. Tu vois, je te jure, aux États-Unis, ni fin, non. À l'issue, parce que ni Warnana, ou l'issue de Fana, Bora Farara, tu as vendu tel album dans tel pays. Tu as vendu tel album dans tel pays. J'ai plus de ventes en France, par exemple, qu'au Mali. Pourtant, c'est plus cher en France qu'au Mali. C'est pas possible, c'est... Tu te demandes, mais les gars, vous aussi, tu vois. Ça fait mal, vraiment. Et donc, les fois, tu te dis que... Non, en fait, les jeunes, ils n'ont pas d'argent. Les jeunes, ils n'ont même pas 1000 francs. Mais quand c'est pour t'insulter, le jour où tu feras une gaffe, ils auront l'argent pour mettre dans des forfaits pour aller t'insulter. Quand un artiste, entre guillemets, international, ce terme m'énerve, mais bon... Ils disent international. Quand un artiste international vient, ils ont l'argent pour aller remplir les stades. Hein? Vraiment. Alors, c'est nous, on fait tout pour réussir, tu vois. Donc, c'est un truc qui me dérange. Moi, personnellement, excusez, peut-être le micro fait. Moi, personnellement, c'est... Ça me tue, ça ne m'arrête pas dans ma carrière. La preuve, je continue à vendre, je continue à faire. Maintenant, c'est regardable, on va venir, tu vois. Joe, il y a des gens que j'ai vus aux États-Unis, et t'es mon don, après, tu me diras, oui, ici, c'est pas les États-Unis, mais il faut bien commencer quelque part. Tu vois, aux États-Unis, au Ghana, Afrique du Sud, Niger, nounou. Des artistes, une quantité whisky de nounou, marais. Des artistes underground. Mais ils ont de l'argent. Oui, Baram, quelqu'un demain, ils disent ok, on balance l'album, leurs fans achètent. Quand ils disent demain, on est en concert, ils sont là. Parce que, ou le album, ou le concert, que au Euro, quel est le nom. Mais toi, tu écoutes le son toute l'année.
Tu vois pas? Toi, tu passes toute l'année, tu écoutes les... Voilà. Toutes les années. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut que les fans aussi nous fassent un retour, quoi. Parce que sinon, ça va finir comment? Flado. Soit les gars vont être amenés à faire des trucs un peu immorales, qui défient un peu l'éthique, quoi. Ou alors, il me courait, tu dis, bon, tu sais quoi, c'est pas la peine. Tu lâches ça, tu vas faire autre chose. Parce que rapou le kadi, mais si fin on rêve voir la deux on a témé rapou à un moment donné, ça agit me gata, fin me gata, donc tu te dis merde, ces gens ne connaissent pas ma valeur, je me tue, mais ça le fait pas. Tu as plus de fans, tu es plus respecté entre guillemets que dans ton propre pays. Ouais, les artistes chaman blaf, kubal chaman kela, tu vois, parce que c'est facile, parce que quand c'est pour critiquer, quand on est là. Ouais. Quand c'est pour dire à un tel, ton album est nul, ton son est nul, on est là, les gars sont là pour ça. Mais quand c'est pour dire, quand tu es bien, quand tu es bien, quand c'est quand tu dis, bon, venez maintenant, on va faire un concert, Joe, on doit aller en boîte. Joe, on doit faire ci. Donc ça fait... Et comme je te l'ai dit, c'est pas que dans le rap, c'est dans presque beaucoup de domaines où les jeunes excellent aujourd'hui, c'est vraiment un cancer. J'espère que maintenant les gars vont suivre quoi. Okay. Mais en résumé, qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui? Donnez-nous, on vous le rend. On vous le donne, vous nous rendez. C'est un échange de bons procédés. Il ne faut pas que les gars disent ma belle. Il faut qu'on donne aux fans que les fans nous donnent. C'est comme ça que on peut tous avancer ensemble. Ok, DB, merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons terminer cette émission et nous rappelons que nous étions avec DB Tau, à savoir depuis Badlaboukou. Donc, on va aller faire un an et on était sur Jeunesse Mouv. Vous pouvez suivre ces images-là sur Ondu TV le samedi sur le prochain et demain vous suivrez. L'émission enregistrée de Derkeb qui n'a pas pu passer sur les réseaux sociaux, mais qu'on va dès ce soir poster ça sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui ne pourront pas les regarder sur les réseaux sociaux pourront aller regarder ça demain sur Ondu TV, Mali Vision, canal 251, tout en remerciant nos partenaires Empire Afrique et Iparla. En plus de ça, le magazine Malimag. Nous vous disons très bonne suite de programme si vous êtes sur Ondu TV. Et nous vous disons restez connectés sur notre page et notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. À la prochaine. Allez. Bien, merci. Mon type. Ouais. On est ensemble.